Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, tout simplement, je vais m'adresser à tout le monde et surtout à tous les disques jockeys. Donc, certains DJ qui sont déclarés comme ils sont pas déclarés, à chacun leur tarif, qui est normal, et surtout, c'est tout à fait, on appelle ça de la concurrence. Alors, DJ Tigre, je te remercie surtout pour regarder mes vidéos. Je te remercie beaucoup. Franchement, tu es un mec sympa. Donc, tu me donnes des idées, c'est très bien. Moi, j'aime bien tes idées car les gens qui donnent des idées, ça s'appelle un échange. Et moi, franchement, j'adore les gens comme ça, au lieu d'insulter, ce que je remarque beaucoup. Sur cette chaîne-là, sur la chaîne d'Antonio. Donc, je vous informe qu'il y en a certains qui m'insultent et qu'il y en a d'autres qui n'insultent pas. Et bien, ceux qui n'insultent pas, je les respecte beaucoup plus. Bon, DJ Tigre, franchement, je te félicite. Pourquoi? Tout simplement, c'est que tout simplement, tu donnes des idées et les idées sont intéressantes. Donc, c'est vraiment normal. Tu me demandes de louer mes appareils. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le problème, c'est que je n'ai pas 350 000 appareils à ma disposition. Ce qui veut dire, en gros français, j'en ai pas 55 à mes services. Qui est un peu, pour l'instant, je tourne à bas régime, qui veut dire, je tourne tout simplement ce que je peux actuellement, car mes projets n'étaient pas encore prévus d'être retard aussi retard que ça, malgré que j'ai plus mon véhicule comme convenu. Donc ça, c'est pas, ça va se rattraper, je le sais bien. Et Jérémy aussi, je le félicite aussi, c'est un monsieur que c'est des gens que je respecte, car les DJ comme ça, c'est des gens qui ont au moins, qui donnent des idées, qui donnent des bonnes infos, des respects. Et c'est ce que je veux, c'est des gens comme ça. Au moins le respect qui est beaucoup mieux que de se faire insulter par des kikibouboui qui ne valent que dalle. Donc c'est normal que je parle comme ça, parce que les kikibouboui pour moi c'est des nanes. Ils ne savent même pas que ça peut arriver, le problème que j'ai. Bon, bref. Moi, je ne suis pas là pour parler de mon problème professionnel, pour problème ce que j'ai. Mon problème que je veux parler à tout le monde, à tous les DJ, c'est que tout simplement, les prestations qu'on fasse, qu'on soit à 150, 140, 99, comme on veut nos prestations, l'important, c'est qu'on fait plaisir au public. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on doit se donner à tout le monde. Chacun travaille différemment, surtout que moi, je ne suis pas là pour scratcher à fond les gamelles sur les vidéos, donc voilà. Je suis là juste pour faire un peu de publicité à la manière DJ, donc banale, pour essayer de faire au moins une petite une publicité. Donc j'utilise ces publicités. DJ Tigre, tu m'as proposé une animation, comme on dit, hein, de faire une animation, on va dire, en déplacement. C'est ce que je veux faire, mais le problème, j'ai plus de camion. Voilà mon problème. Donc, je voulais te répondre par écrit, mais non, je vais te le dire directement par vidéo, comme ça, tu me verras bien. Donc, tu vas comprendre que ce que je te dis, c'est tout simplement une info. De dire que c'était prévu, tout était prévu. Normalement, je devais être à marché de Mantes. Et le marché du Val-Fouré, hein, j'apprécie bien, à faire aussi le petit tour aussi sur le marché de Mantes-la-Jolie, tout simplement à la Tour Saint-Matelot, qui était prévu aussi. J'étais prévu d'aller à Mantes-la-Ville, la ville voisine, qui était prévu aussi. Et donc, vous savez, quand on n'a pas de véhicule, on peut plus travailler. Là, actuellement, je cherche un véhicule, je cherche vraiment un véhicule d'occasion de 3 fois rien, au moins qui roule et basta. J'essaie même de trouver aussi des véhicules de location. J'ai remarqué que c'est beaucoup plus cher. Donc pour moi, c'est beaucoup trop dur. Donc voilà. Donc j'espère que je ne vais pas perdre ma cliente. J'ai mis une de mes clientes. J'ai des clients qui commencent à venir. Et sans camion, on ne peut pas bosser. Je suis obligé de demander toujours à d'autres chauffeurs d'emmener leur véhicule. Et que ça, ce n'est pas dans ma logique. Bon, voilà. Ce genre de truc-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tout simplement que. Alors, moi, j'ai des jeux de lumière comme Ibiza, des choses comme ça. Bon, c'est pas trop mon dada Ibiza, mais bon, je le dis franchement, car j'ai une de tes méthodes de mixage Ibiza.
pas trop terrible, c'est vraiment médiocre. J'ai pris Newmark, franchement, je peux rien dire, justement, j'enregistre avec le Newmark actuellement. Je travaille en Newmark là, actuellement, sur la vidéo là. Comme la Newmark, elle passe en USB. Et donc, justement, j'ai eu l'idée de travailler avec mon micro pour qu'on puisse parler. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai essayé de faire voir un petit changement pour essayer. Bien sûr, j'ai fait allumer mon amplificateur pour voir qu'est-ce que ça donne de mon côté aussi pour avoir du son. Donc, voilà, pour essayer d'entendre. Donc, moi, je m'entends ce que je dis. C'est beaucoup plus préférable. Donc, DJT, toi tu m'as dit que je suis un petit DJ, bah, merci beaucoup quand même, au moins c'est un petit compliment sympathique avec du bon matériel, c'est vrai, c'est pas des conneries que je dis, car je ne travaille pas avec du matériel de mytho, à part bien sûr ma Ibiza de merde. Je te dis franchement, je déteste Ibiza, je suis dégoûté malgré que je travaille avec des boosts, avec la petite Park Avenue, voilà. Et là, si tu veux un petit conseil d'une table de mixage, tu sais, tu peux prendre ce que tu veux en restant soit Newmark. Pionnier, si tu veux, ça peut être aussi, tu peux t'arranger, tu peux mettre de côté un peu de sous. Moi, je te conseille la Pionnier qui est pas mal à 350 CDJ. Elle est très bonne, elle est vraiment bien pour un petit début, hein, de très bonne qualité. Mais Newmark, c'est très bien aussi. Voilà. Et Jérémy, lui, peut te dire la même chose que moi. Hein, il t'en parlera honnêtement, il te dira des choses pareilles. Voilà. Donc, voilà, c'est une petite vidéo. Hommage à Jérémy et bien sûr Monsieur Tigre. Donc moi je vous aime bien tous les deux, hein, en amitié. Hein, et donc ah oui, un petit truc aussi à Jérémy. Pour aller à Rennes, j'irai peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat, parce que c'était pas vraiment dans mon programme de partir à Rennes. C'était juste pour récupérer, pour redonner le camion, mais bon voilà. C'était pas programmé comme ça du tout, et donc voilà. Sinon, j'irai. Moi, je connais une amie à moi qui est chez Rennes, qui est à Rennes, et elle, je pourrais y parler et faire un petit tour. Donc, comme tu m'as donné l'adresse, donc c'est très bien, je pourrais faire un petit tour un jour, on verra quand. Mais bon. Donc, je remercie quand même à vous deux, surtout vous deux. Hein, j'espère que vous êtes tous les deux abonnés. Et surtout, je vous remercie quand même pour me complimenter qu'au lieu de me descendre comme je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est pas qu'on est handicapé, qu'on est handicapé, qu'on n'est pas capable de faire des animations, de quoi que ce soit comme animation. Je suis DJ, j'en suis fier, je travaille à ma méthode, j'aime bien ma méthode, j'aime bien scratcher, j'aime bien faire ça, mais. Quand je suis sur scène, je suis sur scène. Mais quand je suis derrière une vidéo, ça me gêne beaucoup parce que je peux pas, je ressens pas le public, je ressens rien du tout, donc ça me gêne un peu. Donc je travaille un peu n'importe comment. Donc ça me gêne un peu. J'essaye de faire des efforts, mais voilà. Et donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo et je vous remercie surtout tous les deux. Hein, et si vous voyez cette vidéo, franchement, donnez-moi un compliment. Si vous voulez. Et je vous remercie. Et essayez de la partager beaucoup, comme ça au moins ce serait sympa. Allez, je vous remercie à tous les deux. À la prochaine vidéo. Et surtout, bon après-midi. Et bonne soirée plutôt même. Car il est 17 et presque 17h sur Paris, on va dire. Allez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye.